You touch my tra-la-la. My ding ding dong. D'accord, Wylance, il n'y a pas de problème, tu veux faire la merde, je vais t'aider. Avez-vous déjà vu un squelette vapé? Oh, je m'aveugle dans le masque. Plus rien. Je vois plus rien. Je ne voyais plus rien. Qui est-ce? Ah bah c'est une coquine. Pourquoi j'entends plus personne moi? Je les entends pas eux. Hey, ouais. Batman. Ah, il est là. Attends mais. Quoi? Ça rejage plus ça? Chut! Rejage plus! Oh, attends, toi. Pour moi. Allez-y sans moi. 1, 2. 3, 4. Ah voilà, j'entends les deux là. Non, elle est, il m'a endormi là. Eh oh. Les plus sombres secrets. Nomade, je sens que ça va te plaire. Tessa a trouvé un message pour vous sur l'un des sites web de la Santa Blanca. Un message pour nous. Deux secondes, Benoît. Les quatre Américains qui font chier Sueño, ce soit vous, oui. Il veut discuter avec vous. Comme si on pouvait négocier chaque Kumbaya ensemble et se faire un peu blanc, c'est genre. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de faire sortir Sueño. C'est aussi l'occasion de vous faire tuer. Tout ça risque fort de finir en bataille rangée si on laisse faire. Envoie-nous les infos. S'il veut employer la force, on saura lui répondre. J'ai l'impression que tête de nœud. C'est une mauvaise idée. Bowman, je comprends. Envoie-nous les infos et on décidera. Ok. Comme tu veux. Terminé. Tu veux... Bah, et balader. Barré baladé lélé, barré baladé lélé. Il me reste un cadenas pour pouvoir avoir El Sueño. Hé hey, Jojo. Oui. Non, t'es pas Jojo, toi t'es Benoît. Dis oui. Ouais, t'as pas... Mais il est mute là. Oui. Et tu lui dis pas, tu lui as pas dit que je voulais prendre Conan Exil pour Noël. Non, non, j'ai rien dit. Oh, tu dis rien, dis rien. Tiens, voilà. Toi, tu continues. Quand il me gueule dessus pour Conan Exil, tu continues à me gueuler dessus, ok? Ok. Comme ça, il va rien comprendre quand il se retrouvera avec un truc dans sa bibliothèque. Et qu'est-ce que... En mode... What? Non, il va devoir accepter ton cadeau de toute façon. Ouais, mais tu vois, mais il va être surpris, le bestio. Le bestio. Bon, hop. Oh, purée. C'est quoi ça? Ramon. Qui c'est Ramon? Ramon. Ah, c'est lui, Ramon! Ramon Félix s'est senti l'âme d'un lanceur d'alerte et a révélé l'existence d'un réseau de trafic d'enfants dirigé par le cartel. Trouvez Félix Ramon. Et découvrez ce qu'il sait avant qu'El Sueño le fasse tuer. C'est qui ça? Ramon, moi. Bouton. Ramon, moi. Tu veux que j'aille où, ce... trou de balus?
C'est bien un truc qui est bordel, mise à jour de Messenger, ok. Non mais tout seul toi. Elle me casse les pieds là, si c'est pour du GTA. El Sueño veut nous rencontrer. C'est peut-être pour négocier, ou peut-être pas. Je sais pas, je Mon le sens nouveau pas. serveur. Dans tous les cas, miam, miam, faites miam, gaffe. miam. Ah ouais, Je toi aussi t'es des trucs pense comme ça très là. fort, donc... Oh. Tu te fais encore agresser, toi? Mais c'est... Ouais, moi je me fais agresser par des vieux mecs qui me demandent... Mais... Qui je me... C'est Ah, quoi ce regarde mon masque? nouveau serveur! C'est mon masque? Ouais, ton masque là, Merci. c'est Oui. quoi ça, là? C'est mon masque? Halloween, m'en T'es arrivé sur ton live, j'ai fait... Nos. C'est C'est quoi ce vieux Halloween, m'en crâne chaud bleu, là? Ah bon, aujourd'hui, c'est Halloween? Avancez Mais sans non! moi. Bientôt! Mais c'est quand Halloween? 31. Ben, vendredi, non. Allô? C'est vendredi ou samedi, gros. Hein. Oh, putain. Faut lui ramener le trou à lui, là. Hola, mi amigo. Oula. Pourquoi je suis sur des enceintes? Je suis Ah sur des enceintes voilà. là. Ah voilà. Oh non mais je t'entends les ours le téléphone. Ah mais c'est pour Rose. Mouni. Mais voilà. Ouais, je disais Ça y est, c'était vas-y, bonjour. vendredi ou samedi le bestiau d'Halloween, tu vois. Ah bon, nous sommes bien ouverts. Vas-y, moi j'ai envie de descendre, rentrer chez moi aujourd'hui là. Hein. Fatigué là. Hein. Bah tu agresses ton père, tu dis oh 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 oh. J'en aime lui, mon regard là. Tu viens du... Oh. Non mais mon père ce qu'il veut c'est que je passe du temps à lui faire des câlins, c'est plutôt ça son plan lui. Tu lui dis, hey, ça va être comment là? Quand moi j'aurai fini mes études, je vais aller travailler, et puis si je vais repartir en Nouvelle-Calédonie? Non mais ça va être comment surtout le jour où je vais vraiment barrer là. Bah c'est ça! Tu C'est vas faire ça, quoi il a quand je peur. vais me barrer à Mais Bitaï? mec, mon père il a peur pour l'âme. Pour la merde. Il Tu a sais peur. que. Ouais, genre mon autre daron il a fait un rêve comme quoi je bastonnais, je m'étais. Je revenais Connasse. avec des bleus monstres. Et Mais mon c'est père quoi il a dit genre tu rêve? l'appelles, tu l'appelles, tu l'appelles. Mais En mode comme si connasse. tous tes rêves se réalisaient. Ah bah dis donc, si tous mes rêves se réalisent, Je serai milliardaire. Je ce serai serait sur un yacht ou je milliardaire, serai me serais mort il y fait a un bouffer par un milliardaire. loup-garou depuis 10 ans. Et surtout, j'aurais baisé C'est plein de ça. meufs. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. On est Ouais, mais tu d'accord. vois, je prends le masque, tu vois. Peut-être pour un guichet un peu. Quelques viewers, tu vois. C'est un guichet avec connard en masque, tu vois. Tu vois, mais. Pareil. Mentalement, tu veux savoir c'est qui derrière, tu vois. Il va voir dans tes anciens lives, il voit ta tête. Ouais, voilà. Mais si c'est intelligent. Ah non, je crois que j'ai mis pour que ce soit que les followers qui puissent. Le mec qui me suit qui puisse voir. Regardez dans mes lives. Du coup, il y a des mecs qui viennent revoir tes anciens lives ou pas? Oui, mais je pense que pas beaucoup en vrai. Parce que comme j'ai coché une option pour que ce soit que les followers qui puissent regarder. Non, mais justement, parce que tes followers, ils viennent voir tes anciens lives. Bah, des fois, je vois 10, 10, 15 max vues dessus, donc je sais pas si ils viennent voir ou Oh, pas. ça va, hein. Bah ouais, c'est ça. Moi, pour Pourquoi tu l'instant, mets je ta laisse wa... open bar. Pourquoi tu veux mettre watercooling dans mon masque hein, parce que. On se fait chaud là-dedans. Ah ouais, Ça va, mec. j'ai pris un déguisement de Père Noël pour mes neveux et nièces. Pour Halloween. Non, pour Noël, j'ai pris un déguisement.
le Père Noël. Papa Gator, le Père Noël. Quand j'y repense, mon bras, on était trop coincé du cul. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Je me dis en noir. Tu te dis? Parce que je me dis qu'on aurait pu oser plein de trucs quand on était en mode oh, bon. Tout ça parce qu'il y avait les autres trous de cul, là, blanc de lance, prisonniers. D'une grande base du cartel. Allez, on se tient prêt. En vrai, j'aurais aimé me défouler. Hein. Te défouler, comment ça? Je vois toujours personne, c'est dingue. Taper dans le fond. Lâcher, quoi. Attention. Merci. Ouais, aussi. Téléphone. C'est pas un EEI. Ça se fait trop. À fond toi-même, pas te poser de questions en permanence. Comptez pas sur moi. Putain de merde. Est-ce qu'on va me juger sur ça? Est-ce qu'ils vont me passer sur ça? Est-ce qu'ils vont arriver au loin? Daniela, moi qui croyais qu'on allait se rencontrer face à face, me dis pas que t'as pris du retard. Pardon pour ce subterfuge, mais la prudence est de mise dans notre métier. Je ne vous ai pas menti. Il n'y a pas de sicario là où vous êtes. Pas de soldats de l'Union. Tout ce que je veux, c'est discuter. Dis-nous où tu te trouves. Là, on discutera. Je veux juste mettre un terme aux effusions de sang. Elles sont inutiles. Elles nuisent à mes affaires. Et elles nuisent à la Bolivie. Voilà des décennies que ce pays essaie de se redresser. Ce n'est pas le moment de le remettre à terre. Dis le type qui a fait du pays sa pute personnelle. Si t'as rien de plus intéressant à raconter, qu'est-ce que... on se casse. Il y a quatre voitures devant vous. Mais elle, du coup, il fait quoi? Il joue pas avec toi? Attends, ou... répète un peu ça. Non, j'ai non, c'est pas bon travers. Toi. Tu veux qu'on bosse pour toi? Allô? Vous êtes quatre des types les plus dangereux. Putain, tu es rebug encore. Bien sûr que je veux vous embaucher. Chaque jour, m'entends? Vous risquez votre vie pour votre vie. Et votre gouvernement vous paie Casinala. Travaillez pour moi, pour la Santa Blanca, et vous gagnerez plus que dans vos rêves les plus fous. Je suis au regret de devoir te répondre d'aller te faire enculer. Si on est venu à ce rendez-vous, c'était uniquement pour te buter. T'as décliné l'invitation, tant mieux pour toi. Ça te donne un léger sursis. Mais je te conseille de commencer à faire tes adieux parce qu'on va venir te chercher. Et là, tu vas comprendre ta douleur. Soit. Je suis curieux de vous voir à l'œuvre. Bowman, on est toujours de ce monde. Par contre, Sueño nous a fait une offre d'emploi très lucrative. Une offre d'emploi. Vous avez accepté? La mutuelle était bidon et on lui a dit qu'on allait le tuer. Un auxiliaire ou pas? Tu vas devoir nous supporter encore. Bah non, un USB. Sur ton PC. On se recontacte. Bah non, un USB. Ah oh putain, deux secondes, je prends le volant. Ah, il est revenu le trou de balle. Ah oui. Elle porte un masque. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je la connais pas. Pourquoi t'es trop fort, toi? De quoi? Pas possible, ce gosse là. Un coup, c'est fourmi, un coup, c'est voix d'ogre. Ta mère, un peu. Pas régler ta voix normalement. J'avoue. Je viens de lancer Ghost Recon en fait. Ah. Joachim, dis-moi. Bah tu baisses ton micro parce que... Je suis dans mon studio. Dis-moi, est-ce que depuis que je suis dans mon studio, ça s'est calmé l'effet Maël là, avec un coup trop fort, un coup trop doux De quoi, effet Maël? Bah tu sais, avant tu devais à chaque fois me régler mon son parce que le soir je parlais... Bah toi ça dépend en fait. Bah toi c'est un peu moins en vrai. Même si c'est un peu... Ça arrive encore un peu de temps en temps, mais... Frag lancé, attention les yeux. Ils nous ont vus.
Maintenant que cette station est fermée, les rebelles vont peut-être pouvoir redresser la barre. En vrai, Niad, je vais m'habiller en Père Noël, je vais aller violer Niad, putain. Je vais quoi? C'est bon pour moi, go! Ouais, quoi, moi? T'es plus folle d'entre nous. Bah ouais, j'ai la copine. T'es la copine. Mais Bon, je suis pas d'accord. T'es la seule option. T'es la coquine, mais t'es pas la coquine d'elle coquine, hein. Et remettez-moi ça. Chacun son rôle, mon gars. Tout ce que je veux. Bon, je suis pas d'accord. C'est la coquine dans le croquine. Je sais pas. T'as déjeuné toi? C'est à moi ça. Maintenant c'est à moi. Ouais, oh, si tu veux, tu peux en avoir une. Eh, hey, fais un effort. Tu utilises tes ongles, tu t'assois. Ah là, Yoya là. Quoi? On s'assoit pour faire ça. T'as réussi l'autre là, y a bon, oui, oui, là je suis parti voir vite fait Soigno, il m'a fait une proposition d'emploi. Je lui ai dit, va te faire voir, t'as fait de la Bolivie de ta pute, hein. T'as cru quoi? Nous on est là pour te défoncer le trou de balle, pas pour faire ami. Il a dit, ok, on va voir ça. Mec, tu sais que j'ai encore le seum là. Le seum? Ouais, parce que tu te rappelles la mission là, dans la montagne, pareil et tout là. Avant d'introduire, avant que le dernier Ghost Recon sorte là, t'as vu? On devait aider un certain personnage. Ah, oui! Ah, mec, j'ai encore le seum quoi, de sa trahison là, que dans le dernier Ghost Recon, ça soit notre ennemi quoi. J'ai. Voilà. Ouais. Oh. En vrai, j'ai analysé, mais je crois que je vais quand même l'acheter ce Ghost Recon, même si je l'aime pas. Ah, trop. Tu vois, mais j'ai dit quoi? Parce que moi, Niad, tu sais que j'ai fait un rêve là-dessus. Quoi? J'ai rêvé que t'avais acheté Ghost Recon Breakpoint, c'est une fusée chier pour qu'on l'achète, et on t'avait craché dessus, on a dit non, c'est bon, c'est de la merde. Et t'as fait, mais non, mais allez, acheter, c'est trop bien. C'est dans mon rêve. Mais ça sert à quoi, si tu l'achètes, hein, t'as des amis. Tu sais, une petite pipe de temps en temps. Tu sais, j'ai encore le Conan Exil en travers de la gorge. Hein. C'est vrai ça. Le Conan Exil là. Le Conan Exil. Bon, ça je peux pas employer certains mots en présence d'enfants mineurs. Bah, du coup, je vais m'éloigner un peu de ce lieu. C'est même pas que je vais me retenir, c'est même pas que je vais me retenir, c'est que je vais aller vous insulter ailleurs. Tu vas aller dans les chiottes. Mais mec j'imagine trop Niad qui barre dans les chiottes et genre il ferme la porte des chiottes, il regarde bien autour de lui, il regarde le téléphone, il commence à pointer le téléphone, ferme ta gueule toi, fils de pute. Sauf qu'il est con, il a oublié de fermer la porte des chiottes, il y a les gosses devant. Il fait quoi? Fils de pute. Ah pute. Répète ça encore, je t'enculé. Répète ça, je vais t'enculer. Et tu vas m'enculer? Répète ça encore, tu vas voir. Qu'est-ce que... Il poursuit même ici, toi? Tu vas aller dans la salle de Barocan? Putain, mais je me suis dépêché juste à côté de l'objectif. Quoi? Je te vois, tu me vois sur la barbichette. Je te vois, ça retire, t'as plus de barbichette. Je suis reparti voir les chevaux tout à l'heure. Je te vois, il me voit. Tu parles de quoi? Je suis reparti voir les chevaux. Ah. Trop bien les chevaux. J'ai failli me faire bouffer par le cheval. Il est venu, j'ai cru qu'il y a... Enfin, il y a deux chevaux. Le chevaux. Le chevaux, il est venu. Le chevaux, il est venu. Il m'a regardé, le chevaux.
Il y avait des chevaux, et genre, ouais. Il y en a deux, et celui-là de ma nièce, il est venu, je l'ai caressé tout, s'en bat les couilles, genre les autres, il est parti voir ma nièce, il s'en battait les couilles de ma nièce, il voulait pas se laisser caresser, moi il est venu me voir, je l'ai caressé tranquille, quoi. Ma nièce, elle m'a mal regardé. En gros, il est allé voir ta nièce, il est allé lui cracher dessus en douce, et c'est ça. Regarde, toi là, chut, il a mordu sur mon dos là, hier. J'ai dit pas monter. J'ai un mot. Oh putain. Oh, il fait mal là, ils font mal eux. Ah oh, mais le. Mais. C'est quoi ça? C'était Michael Jackson. C'était Skull Jackson. Oh non, que Jackson de Ghost Recon. Qu'est-ce que. Putain, si jamais ça sera possible. Putain, c'est un souterrain. C'est à la hauteur des souterrains? Non, là où je suis, c'est dans la brousse, c'est au caniveau. Ah bah ouais, c'est au caniveau. Entouré de mes meilleurs amis. Eh, hey, Benoît, là. Non, mais t'es très bien seul. Viens là. Moi, je cherchais les trous de balles. Attends, il parle à... au gosse ou il parle à un chien? Je sais pas. Je sais pas, j'ai entendu assis. Assis. Pas entendu dire, couchez, lève la patte. Ah, j'ai trouvé les trous de balles souterrains, je crois. Quoi? Mais repère ton Ghost Recon. D'où tu me parles? Ok, on se concentre sur la mission. Je vois des voix qui sortent. Les... Mais t'es où toi en fait? Ah ouais, tiens. Je sais pas, j'ai suivi la ligne. Si les intels de Bowman tiennent la route, le data center est sur terre. Ah bah oui, c'est ça. Il reste plus qu'à trouver comment descendre. Le data center est peut-être en bas. Faut qu'on aille voir où conduit le tunnel. Oh. Comme la chatte ta mère. Ah bah ça frère. Oh. Tu sais surexcité. Je veux le... Oh. Tu vas te laver les mains Benoît. Ouais, tu prends ça et tu mets à la poubelle. C'est normal de crever. Ouais. Non non, tu laisses ça. T'as les mains dégoûtantes. Là les épluchures, tu prends. Bah là tu meurs pas parce que je suis mort. Tu prends. Ah. Bah oui, j'ai fait un accident avec la moto, je suis mort. Et après c'est dit que je conduis mal hein. Et c'est bon, toi tu conduis n'importe comment, là tu tapes dans tout. C'est catastrophique. Bah ouais, mais c'est pas... En fait c'est si les cailloux sont guichés. Non, et toi arrête, et toi dans tout. Même dans GTA. Oui bah. Pas fou ma gueule hein. Attends, ça tourne pas assez. Pardon ouais. Fous ma gueule. Là on va sortir, on va aller acheter une baguette. Quoi? Une baguette. C'est une phrase pour dire sextoy. Ah, Tof j'ai trouvé une nouvelle carte, un nouveau PC là, qui a l'air plutôt intéressant, qui a l'air un peu mieux. Oh, putain de merde! C'est pas moi. J'ai tellement pas. J'ai tellement. C'est moi? Je sais pas, à chaque fois moi, que vous dites Jojo, j'ai l'impression est-ce que. Est-ce que Wouah, j'ai vu le sniper se faire exploser la gueule. Est-ce que t'es moche? Oui, voilà. Qu'est-ce que? Oh, j'ai chaud. T'es lavé les mains? Je crois pas, non. Non. Allez. Un serveur, mais oui, le serveur. En vrai, je vois bien Nia dans père, je m'en fous. Je vois bien Nia dans papa. Bah, qui sait, c'est peut-être déjà sa gosse en fait. Je vais nous présenter, bon, en fait, c'est mon fils. Oh merde.
Oula. Tu l'as eu comment? C'est avec bon. Qui? Avec on le phoque. Avec qui? Le phoque. Ennemi à bord, occupez-les pendant le transfert des c'est données. J'ai trouvé une décoration de cartel. Le oui, voilà. Même Benoît le dit, c'est toi le phoque de l'amour. Quoi? Oui. Le phoque de l'amour. Je te phoque. C'est mon phoque de l'amour. Oh, c'est Fortnite. Ouais, 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 de Fortnite. Non, mais la vue Fortnite, tu sais, quand tu lances le lanceur de jeu là sur. Ouais. C'est à l'envers. Mais bizarrement, je l'ai trouvé mignon et là j'ai envie de tacler. Il s'est fait arnaquer. Après Fortnite! Ça pique là. Oh là là. C'est vrai que. Babylone! T'as la peau douce, toi, hein? Et là, la voix douce, lui! Oula, ouais, dit comme ça, on dirait un vrai pédophile. Hein. Nulos. Oh, nulos, oh. Du quoi, nulos de quoi, toi? Tu veux te battre? Il a demandé nulos de quoi. Eh non, mais par contre, mon câble, c'est pas le câble de l'étranglement. Il a quel âge ton fils? Mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Mais gars, il est content en plus. Papa Niad. J'ai déjà du. Ah ouais. J'ai déjà du mal à m'assumer moi-même, alors je vais commencer à être daron. Mais tu sais pas en fait, Laetitia a accouché il y a pas longtemps. Apparemment, le gosse il est noir. Hein. Mais en fait, il est noir, mais avec les yeux tirés, donc j'ai peur. Je suis noir. Arrête. Chinois. C'est quoi là? Chinois. J'aurais trop peur de sa gueule. Hein. Est-ce que ça sera un nain? Ce sera quoi? C'est. Un nain? Voir des fous. Ouais. Bah, Laetitia elle est pas très grande. Moi, je suis pas très grand. Ouais, non, mais tu sais que normalement, les enfants ils dépassent toujours leurs parents. Hein. Donc y'a pas de problème. Y'a un gamin qui. Non, mec, y'a un gamin. Genre, son père est pas très grand, sa mère non plus. Et lui, si je faisais la Porsche avec lui, il fait la taille de son père quasiment. Mmh. Eh ouais. Eh Benoît, je t'ai dit de regarder sur Apple. J'ai dit d'aller sur ordinateur, c'est autorisé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Non. Florent, j'ai dit si t'étais sage. Du coup, Barreau l'a fait coffrer. Non. Oh. On n'a pas fumé la moquette ensemble, mon gars. Dis ça au gosse. On n'a pas fumé la. Je suis ensemble, hein? Oh putain, je suis mort. Il est mort. Je suis tombé d'un moto encore. Sur le scoot volé. Mais après tout, faut pas résister du tout. Là où la roule est où elle est. Ouais, j'ai tapé dans un chat là. Ouais, y'a Benoît qui m'a regardé. Mais c'est un taré, il part tout seul là. Ouais, je crois que c'est aussi un peu taré. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais adopte-le. Non merci, je. Mais si. J'ai pas envie de me rendre. Il faudrait que je revoie toute son éducation et j'ai pas le courage. Izzy, c'est des. Hein? Tu en as les compétences. Il est connecté. Mel, tu veux un gamin? Non, un voilà. Gamin cadeau, c'est offert. Bon, c'est la maison qui voulait. On a aussi découvert que nos taupes au sein de l'unidad sont un crétin de la Santa Monica. Non mais Nia, tu en as les compétences. J'en ai. Il y a deux secondes, tu m'as dit que j'étais. Une grosse merde. Ouais, voilà. Rien à foutre, tu en es capable, bah tu fermes ta gueule. Hein. Par contre, on va te casser les couilles. Hein. Tu vas me sucer, puis tu es bien fait, tu vas voir. Tu vas faire la rondelle, il va buffer, ok. Tu vas goûter mon ding ding dong, tu vas rien comprendre. Tu t'es déconnecté là. Mais je sais pas, c'est toi qui t'es déconnecté.
si tu t'es déconnecté là. Benoît, bourre-toi sinon parti. Tu me rends compte de déconnecter. Ah. Benoît, tu sors pas. Et tu descends, je. Eh. Eh, t'en poses des questions. Ouais, tu recommences pas. Tu recommences pas. Ça va recommencer. Hein. Non, non, non. Et regarde là, t'es pas un macaque poilu là. Eh. T'es pas un macaque poilu. En plus, tu sais même pas. Non, non, bah tu me demandes ce que ça veut dire. Oh là là. Bon. Non, bon. C'est des mots qui sont pas gentils à dire et que t'as pas à dire à ton âge. Et t'es un gros mot. Ouais, voilà. Et t'as pas à dire ça. Je t'entends plus, Rodia. Sinon, c'est deux claques. Et. T'arrêtes là. Tu l'as fait bisous, Zemmour. Sinon, tu as fait. Ce soir, tu as fait un barbecue là-dedans, hein, je te dis. Ok. Ce sera pas une bûche. Ah ouais, ce sera pas une bûche qu'on va mettre sur la tête, toi, tu vas voir. Voilà, tant de patience avec les gosses. Eh, Mel, t'as un gamin là à ramasser. Ton fils. Pour toi. C'est ton fils. Eh oh. Et tu assumes ton gamin là, mais il s'est cru où l'autre là. Donc, si ça aurait été bien, tu l'aurais déjà trouvé. Dis papa Maël. Maël. Papa trop de balles. Ton fils. Qu'est-ce que. Ah, c'est pas ça? Ouais, si. Mais. Méchant! Oh là. T'as bien drapé ta femme. Maël, y'a ta femme qui. Eh, c'est ta femme, tu t'es merde. Jean-Luc qui. Ah, Haru, nanana, à toi. Il donc moi, ce que je propose, c'est le laisser se débrouiller avec Haru, nanana. Ouais. Mel, regarde où je suis mort. Bah, je sais pas, moi je te vois à loin. Qu'est-ce que tu fais là, Benoît? C'est pas poli, non? Je suis à 200 mètres de toi, là. T'as encore pris un avion, c'est comment, là? Regarde où je suis mort. Bah oui mec, c'est pas... Je suis bloqué dans la moto. Ah bah voilà. Il a cru que c'était le coin de sa mère. Bah bon, je sais pas, c'était écrit entrée gratuite. Hein. Entrée gratuite, hein, moi j'y vais. D'accord. Mais descends plus fort aussi. Ah oh, oui. Ma ding ding dong. Que quoi? La foutie par lui maintenant. Papa c'est ton fils en fait maintenant. C'est ton fils maintenant. T'es foutu Maël, c'est ton gosse maintenant. On évite les dégâts collatéraux. Je connais pas moi. Cible repérée. Sniper en haut de la tour. Papa Maël. Encore une cible. Ah ouais non mais il est accroché à toi là. Hein. Il y a des gosses morts hein, qui vont apparaître. J'ai une cible. Papa Maël, je t'aime. Je désigne un ennemi. Ah t'es fait Maël. Ah là 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 là. Ah là là. Ah gosse sur le dos là. La DCA. Est-ce ton que fils ça maintenant. Existe en France les grandes poubelles. Les très grandes poubelles. T'imagines il vient chercher là. T'imagines les bois il vient chercher la, ta poubelle et il voit un vieux gosse de bébé qui. De toute façon. C'est un peu suspect. Hein. Papa, trou de balle! Son écho, c'est inutile. Hein. Faut pas dire ça! J'en ai rien à foutre. Hein. Des trucs dégueulasses qui ressemblent à rien, excuse-moi, mais. Ouais, c'est quand même, moi j'ai mis ça à la poubelle. Mais Maël, oh Maël, papa Maël gars, la maladie qui zise, putain.
Trop de balles là. Mais je comprends pas, les balles traversent plus. Hein. Sale trou de balle. On fait comment pour voir la grande porte? Et bah voilà, trou de balle, putain, on avait bien. Mais faut pas ouvrir, il y a une porte ouverte là. Papa Maël est moche. Ah. Bah merci. Oh putain, une grenade. Oh fuck. Oh ouais, c'est qui que. Qu'est-ce que. T'es m'a déjà ramené. Papa Maël est moche, mais je l'aime, d'accord. Je t'aime pas. Bon, Maël, tu. Bordel fou, on t'aime. Oh putain. C'est ça d'aller piquer un peu partout, là, à droite, à gauche, hein. J'ai compris, c'est ça d'aller piquer un peu partout? Hein? Hein? Oui, j'ai compris ça. J'ai un problème au cul, donc. Ouais, tu penses que... Tu devrais consulter un médecin. Oh shit! J'envoie tout mon armée attaquer les barbares. Bah oui, qu'on va gagner, tu vas voir. Quoi? Deux, ça te fait. Portel, mais gros, mais. Voilà, mais c'est pas une armée! C'est là où il y a le. C'est là. Ah, gros, tu sais, c'est à peine qu'un quart qui est avec toi. Hein. Ah mais gros, je vais leur faut foutre des mines, hein. Comme ça ils mentent et puis ils vont se faire exploser. Ah tu joues sur vie 2 secondes, je réapparais. Papa Maël, il est moche mais je l'aime. Le mec, j'ai pas, il a trop intégré ma... On se demande bien à cause de qui. Maël, il va falloir bien s'occuper de ton fils, hein. T'inquiète pas, j'ai ma technique à moi. Il va la shooter, il va le shooter à la poubelle. Wouh! Compressé par son père, papa. Oula, bon, pas mal, mais elle a un peu fait expliquer. Frag lancé. Frag lancé, attention les yeux. Tu es beau. Je pose une mine. Une petite seconde. Pourquoi les portes se sont jamais avec moi là sur la cité. Ah, je peux passer par là, je suis con. Bon, c'est bon, tu vois. Eh, c'est quoi ce concert là? Ils sont surexcités par moi, hein. Ça, okay. Oui, ok, j'ai compris. Putain, j'irais mon neveu, quoi. Oui, mais j'ai envie de m'attaquer un gros truc. Hein? Elle est où cette armée? Là où il y a la croix? L'armée de nuit, c'est là où il y a la. Là où il y a le. Là où il y a l'homme. What the fuck? Ah, tu vas mourir toi. Ton père, c'est mort. Ah! En vrai, tu vois, je t'explique. La vraie technique, c'est en permanence améliorée. Il faut jamais qu'il y ait un truc. Bon. Ah. Bon, bah, Maël, il va finir par vraiment intégrer qu'ils sont derrière. Hein. Bon, faut que je dise ça, faut qu'ils disent au contraire. Une petite seconde. Oh, je peux tirer à toi. Maman, bah. Cocaïne. Oh, y'a un hélicoptère quand même. Je vais prendre les ressources, tranquille. Continuez à les occuper, hein, c'est pas mal. Hein.
Ah oh bah il se surexcite sur moi là. J'ai le temps de faire une petite course. Frag lancé. Oh, je veux que tu prennes l'amélioration. Frag lancé. Oh, il y en a plein là-bas. Frag lancé. Come mierda, culeros. Frag lancé. La charge est amorcée. Charge posée et amorcée. J'ai amorcé le C4. Unidades de refuerzo que tenemos en los sectores vecinos para que los apoyen con esa amenaza. ¡Van hacia allá! Charge posée et amorcée. Oh, Maël, ils sont sur excitation sur toi. Ah bon? Mais surtout sur moi. Mec, t'as un... Oh bah... Ah mais attends, je peux ouvrir ça? Est-ce que je peux ouvrir? Oui, je peux l'ouvrir. A todas las unidades, diríjanse hacia el origen de esa explosión. Fuerzas enemigas probablemente en el área. Ça doit être lui. On va voir ce qu'il sait. La charge est amorcée. Última posición enemiga conocida. Comenzando la búsqueda. Frag lancé. Eh, je balance une flashbang. Je balance une frag. J'envoie une flashbang. Merde. Oh, je me suis... Je lance une flashbang. On va voir si une grenade de diversion, ça leur parle. Hombres, on vous file une grenade de diversion en cadeau. Je balance une grenade de diversion. Mais là, il va vers toi. Hein. Ah, t'inquiète pas, j'ai déjà une petite armée qui arrive. Là. Tous ceux qui étaient vers moi, ils vont vers toi. Une petite armée, alors que d'armée. Je dirais pas petite. Hein. Mais non, t'inquiète, ça te trouve rien, ça.
Ils se font exterminer un par un là devant l'escalier. J'ai déjà un petit tas de cadavres. Il me manque. Ah ouais, j'en ai rien à foutre. Papa Maël. J'aime quand Papa Maël me suce. Ah bah. C'est cocasse. Eh, c'est cocasse. On va voir si une grenade de diversion ça leur parle. Je suis pris en tenaille, on va essayer ça. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée, mais on tente quand même. Pourquoi ? Parce que j'en ai rien à foutre. What the f... Tu sors d'où toi ? Ouais, hein, fatigué, fatigué. Je sais pas, y'en a combien devant ma porte, mais. Oh là là, ce que j'ai fait. Oh là là, leur daron ne pourrait plus reconnaître. D'accord. Ah, bah maintenant je me fais plus reconnaître. Non, t'es sérieux là? Mec, j'ai le mec! J'ai toute ma gueule là! Ah bah, bon, enfin. Le mec depuis tout à l'heure il arrive à les tenir et là quand j'ai le mec quoi. Bah j'avais plus de munitions quoi. Putain mais l'autre il s'est barré en plus putain. Là, toi arrête de te barrer. Mais sale trou de balle là, il y a un vieux mec là devant, tu vois pas. Putain il s'est cassé lui sale. Mais vous êtes qui, bordel? Ton meilleur espoir d'arrêter ces enfoirés. Je cherche le général Barrow. Yeah. Je faisais partie de ces hommes, ce fils de pute. Il me souhaitait mes anniversaires, mais c'est devenu un sale con. Où est-ce qu'on le trouve? Là, maintenant, aucune idée. Mais il a une fille, c'est tout ce qui lui reste comme famille. Elle a un petit boulot de fonctionnaire dans un village minable à Flor de Oro. C'est quoi déjà son nom? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Trouvez-la et vous trouverez le général. Gracias. Bonne chance. C'est bon. Bowman, l'ex-capitaine de l'Unidad, nous a appris que le général Barrow avait une fille. Une dénommée Erendira Buendia. Erendira apparemment, Buena. Elle est fonctionnaire dans un petit village de Flor de Oro. Je soumets ça immédiatement à l'ISA. Trouvez-la. On peut se servir d'elle pour forcer le général Barrow à nous rencontrer. C'est une civile, Bowman. On a son numéro de portable. Je vous l'envoie. Remontez jusqu'à elle et vous pourrez remonter jusqu'à son père, le général. Bien compris. Putain. Ah merde, mais je crois que c'était toi. Je crois que c'était toi, mais en fait non, c'est des vieux mecs. Oh mais putain mais c'est pas possible, ils viennent d'où? Oh mais bordel. Non. Putain mais ils sont partout.
genre. Le seul moyen de parvenir, Kingslayer commence à sentir le bordel politique. On s'est bien foutu dans la merde sur ce coup-là. Moi, je commence à m'inquiéter quand les bureaucrates nous demandent des petits arrangements avec la morale. Mais les politiciens font ça tout le temps. Parce que les politiciens ont toujours quelqu'un derrière pour porter le chapeau. Là, tu parles de nous ? À ce coup-ci, c'est nous. Eh ben, c'est super. Sors de là, vite. Ne force pas à employer la manière forte. Ouvre l'œil, la fille du général doit être dans le coin. Regardez par là, une caisse d'armement. Capitaine désigné. Ah ouais, ça je prends. Voilà. Je vous rappelle que c'est notre seule piste. On a besoin d'elle. Et si elle n'est pas coopérative ? Je viens de le dire. C'est notre seule piste. Quand tu veux que tu te laves. Elle est en train de te dire quoi ? Quoi, mais elle, j'ai déjà rejoint une nouvelle photo. Quoi? Non, je parle en Ghost Recon. Ah. Personne ne bouge! Quelque chose dangereux, peligrosos. Mais il m'a donné des coordonnées. Tiens, gars, j'ai un hélicoptère. On a besoin de général Barreau vivant, mais ça m'étonnerait qu'il soit ravi de nous voir. Ah, on rejoint d'abord le point de rendez-vous. Voilà. Hop. Ah, mais t'arrêtes de téléporter, toi ? Ah, ouais, flemme de. C'est juste à côté, là, le point de spawn. J'aime bien explorer la map à 100%, au moins tu te casses pas les couilles à faire toute la map à pied à chaque fois. Allez, la moto. On a rendez-vous là.
surtout, ouvrez l'œil. Je fais pas confiance au vieux lion. C'est le général. Qu'est-ce que mon lion se passe quoi là? Toujours aussi orgueilleux. La Bolivie ne vous a pas invité. Elle ne veut pas de vous. Le général nous a tendu une embuscade. Chopez-le. Oh, c'est entendu. Un bon général sait quand il faut se rendre. On aurait pu éviter tout ça. Bien sûr que non, voyons. Vous avez menacé ma fille. Je regrette de ne pas avoir mobilisé plus d'hommes. Si nous sommes là, c'est pour vous demander de l'aide. Ce n'est pas comme ça qu'on demande de l'aide en Bolivie. Ah tiens, c'est pas non plus le genre qu'on demande habituellement. On bosse avec les rebelles. Le but, c'est d'éliminer la Santa Blanca. Je l'embarque en hélicoptère sans, les... sans tuer les autres connards. Bon, votre fille va bien. Et que vous nous aidiez ou pas, vous allez devoir nous suivre. Votre fille va bien. Je suis pas sûr de ça par contre. Je crois que j'ai buté une seule. Ma fille ne me ressemble en rien. Sa gentillesse n'a d'égal que ma grossièreté. Elle pense avec son cœur. Ce que je ne comprendrai jamais. Elle pense avec son cœur. On est censé comprendre ses enfants. On espère juste les voir nous dépasser. La honte de moi. On approche du point d'extraction. Il parle de Bowman. Très sympa cette discussion. J'ai eu l'emplacement d'un navigage aérien. C'était de bons soldats. C'est wow. Extraire. J'étais à la passe pour tenter de parler au président quand vous m'avez fait appeler. Je sais depuis longtemps que notre relation avec le Santa Blanca est atteinte. Mais je n'ai pas pu. Bon les gars, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Quoi? On vous a pas laissé. Voir. J'ai pas trop. Et j'ai peur d'avoir confié mes attentions à certaines personnes qui ont pris fait et cause pour Sueño. On n'en est pas méga loin. Quoi? J'ai échangé trop de tirs avec l'Unidad pour me sentir concerné. En gros, j'ai un cancer du trou de balle. Ah bah parfait ça. Mais cet endroit-là est fait de corruption. Dû à une relation... J'en porte la responsabilité, je compte bien remédier. Pensez-vous pas... Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ah t'inquiète pas, on est super heureux pour toi. Mais si vous voulez arrêter les violences en Bolivie, pour votre fille, il va falloir faire les choses en grand. Je peux te dire, j'exprime ma joie et ma bonne humeur envers toi. Voilà, oh. T'es le meilleur, continue comme ça. Oh, des cochons. Ah bah ils sont morts. Du même avis que moi. J'ai aussi un ami qui est colonel de l'armée. Est-ce que je peux me TP maintenant? Pardon, je peux pas me TP. Mais pour ça, il nous faudra du temps. Jean-Louis Barry. Alors mettons-nous au travail. Eh, des gens, mais on se connaît pas. Tu peux venir l'extraire en fait. Hein. J'aimerais bien, mais je peux pas me TP. Quoi, tu TP de quoi? S'il a passé son permis, mais. Bah, si, vu que t'es déjà là-bas, tu vois, comme ça. Bah tu peux te taper là. Bah attends, j'ai une meilleure idée, allez, tue-moi, voilà. D'accord. Si c'était directement à toi. El Mulo avait moins d'hommes et d'armes, et il le savait. Comment obtenir une armée qu'on n'a pas et dont on a besoin? J'aime me casser les couilles, on va faire la marche à pied, les soldats marche en voiture, jusqu'à... Il s'achète. Quiebren al sueño. C'était la bonne décision. J'aurais fait la même chose. Mais ce qu'Elmoulo avait oublié, c'est que l'argent n'est rien face à la peur. Nomade, ça bouge pas mal du côté de la Santa Blanca. Figure-toi qu'Elmoulo et El Sueño sont en guerre. Parce que Sueño a chargé Mulo de buter son propre frère? Après ça, Mulo a payé l'Unidad pour plomber Sueño. Forcément, ça s'est pas bien passé. Pas franchement, non. Du coup, on fait quoi? On laisse ces deux guignols s'entretuer? Si seulement. Le problème, c'est que Mulo est l'une de nos rares chances de serrer Sueño. Ils étaient meilleurs potes depuis l'enfance. On doit savoir tout ce qu'il sait. Compris. On chope Elmoulo avant que l'Unidad l'exfiltre de Bolivie ou que Sueño le tue. J'envoie une frag. Bouffe ça, du con. El Mulo s'est retourné contre El Sueño et est devenu. Mec, je crois que j'ai une Abba. Diarrhée cérébrale, ça risque d'arriver en puissance. Bon, bon pas tête, bois. Mon trop quoi? Oui. Une quoi? Une branlée cérébrale? Bastu cérébral. Quand je vous laisse, j'ai. J'ai une série infinie. T'es bien là, tu sais.
sorte de plante. Non, voilà. T'as une petite fleur, là. Bowman, ici Nomad. Tu nous racontes quoi sur Media Luna? Tout le secteur est contrôlé par l'Unidad. En l'occurrence, par un gros bras en uniforme qui se fait appeler El Comandante. Il renforce la sécurité comment de la Santa Blanca profiter de, avec contre moi rebelles, de la diarrhée. Vas-y, ASMR diarrhée, là. J'adore. Entre l'Unidad et le cartel. Ah ouais, on adore ça. El Comandante porte toujours un masque. On ignore son identité. On se charge d'éclaircir ce mystère. Et si en passant, on peut rendre la vie dure à la Santa Blanca, on va pas se priver. On va faire et Yann, tu sais quoi? Bah peut-être qu'on va finir le jeu ce soir. Oui, parce que là on va kidnapper le un deuxième boss et après on a le Sérieux? Oui. Oui. Ok, bon je vous laisse. Mais non, mais c'est encore dans une base militaire à la con, là. J'entends des tirs d'armes légères. Devinez quoi? L'Unidad échange des coups de feu avec la Santa Blanca. Stop. Capturer El Muro. Mais il se fout de ma... Bah tiens. Lâche-moi, putain. Tu fais la pire connerie de ta vie. J'ai El Muro. Putain. J'ai El Muro et je me... Aïe 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 aïe, je me casse. Oh fuck. C'est un hélico de ravitaillement. On a qu'à le détourner et le livrer aux rebelles. Ça peut toujours leur servir. Fuck. Bah extrait amour. Putain j'ai déjà le mot. Vous voulez un conseil? Arrêtez-vous, mettez-moi une balle dans le crâne, ça vaudra mieux pour vous comme pour moi. Mais nous on veut être tes potes, Moreau. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un vrai dur de compète. Vous avez les couilles, ça je le reconnais. Mais tout ce que vous gagnez en m'enlevant, c'est que vous m'empêchez de tuer le soigneur. Ami ou pas, soyons francs. Vous saviez pertinemment que vous alliez finir par vous entretuer. Peut-être. Les vrais amis, c'est plutôt un luxe dans notre métier. Et les liens du sang, c'est sacré. Ah ouais, beau. À choisir entre mon chef et mon frère, je choisis mon frère sans hésitation. Je vais triper ce chien de Sweeney et accrocher sa putain de gueule dans mon salon, comme un trophée, tu vois. Ouais, pas besoin de m'expliquer. Mais vous, je m'emmerderai pas à prendre un trophée en vous tuant. Vous ne méritez pas. Il est ce con. Coopérez, y todo saldrá bien. Oh merde! Attention, il y a. Là, c'est une bonne solution. Sauf que le problème, c'est que j'ai l'autre. Craqué. Pas d'autre voiture qui passe là, si voilà. Crasse pas cette pute. Je sais pas si tu peux monter à l'arrière. Je suis bloqué dans la montagne. Sérieux là? Attachez vos ceintures. Tu pourras trop TP à moi, je pense. Troisième cible. J'envoie un troisième. Position ennemie localisée. A toutes les unités, dirigez-vous. Ah, ils sont sur toi, là. Contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda.
J'ai repéré un émetteur radio inactif des rebelles. Si on l'allume, ça va faire du bruit. À tous les coups, le cartel va envoyer des gros bras pour éteindre ça. Tu t'es suicidé ou... Non, je me suis fait encercler. J'ai une petite salope. Mais j'ai quoi quoi. Et voilà, El Moro. Bienvenue à la fin de ton illustre carrière. Ah, vous les Yankees. Toujours des rêves plein la tête. Doucement, caminez. Extraire. Il a dit quelque chose d'intéressant ? Non, mais en tout cas, il est bien vénère. No eres más que una puta. Je vois ce que tu veux dire. Si tu veux te venger de Sueño, je suis ta seule planche de salut. Faut juste que tu nous parles. Tout ce que tu diras nous aidera à le faire tomber. C'est pour ça que vous me gardez en vie. Eres muy pendeja. Vous avez tué mon frère. Mon propre sang dans cette saloperie de Bolivie à la con. J'ai même pas pu récupérer son corps. Et vous voulez que je vous aide à tuer mon meilleur pote? Putain, mais de quelle planète vous débarquez? Donne-nous des armes contre lui. Et tu te protèges du même coup. Pourquoi je lui ferais ça? Et à moi? Ubicate Biera. Ici, t'es dans la cour des grands. Épargne-nous tes petits jeux de gamine à la con. Je respecte Sueño. Et si je veux me respecter moi aussi, je vais l'abattre avec une balle à son nom. Demifusca cabrona. Et maintenant, je te réserve une balle aussi, Karen Bowman. Trop d'amélioration. Voilà. Les gardes du corps étaient tous morts. J'étais un général sans armée. Mes lieutenants avaient été tués ou capturés. J'étais sans défense, vulnérable. À quoi bon une arme sans quelqu'un de loyal pour la manier? J'avais perdu le seul que je considérais comme mon ami. Et quand j'ai demandé d'autres sicarios à mes partenaires mexicains, ils ont refusé. J'ai essayé de recruter parmi les gangs du Salvador et du Honduras. Les zones de guerre font d'incroyables viviers de talents. Mais il me faudra du temps pour les entraîner, les dresser. Du temps que je passerai avec une cible dans le dos. À attendre que quelqu'un vienne m'arracher la couronne. Hola, camarada. J'ai des informations très importantes pour toi, mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé ? El Sueño. L'un de mes hommes prétend l'avoir vu. Depuis tout ce temps qu'on est en Bolivie, c'est la première fois que quelqu'un qui est pas du cartel a aperçu El Sueño. C'est qui exactement ton type ? Tu as raison d'avoir des doutes. Les informations sont floues. Mais ce serait logique qu'El Sueño se montre, après toutes les déconvenues qu'on lui a infligées. C'est bon, t'as fait extrait ? Il n'a plus de bouchon pour gérer ses affaires. Oui, oui. C'est peut-être le moment, nomade. Le moment de faire dégager le cartel de Bolivie. Pute, aussi. Envoie les coordonnées du lieu de rendez-vous. On y sera. Bah voilà, El Sueño. Pac Katari nous fait savoir que l'un de ses rebelles connaîtrait l'emplacement d'El Sueño. Parlez à ce rebelle et découvrez ce qu'il sait. J'avoue, je me téléporte tous les deux. Fermez-moi.
scène une gamme. Vous avez beau avoir tout fait sauter, il restait énormément de matériel dans la base de Montuyok. Des fusils, des mortiers, des véhicules. On est devenu une vraie armée. On arrive à l'endroit indiqué. Il y a un truc qui cloche. Allez, vite! Merde, j'ai trouvé un corps. C'est le chef des rebelles, Amaru. Le type qu'on avait libéré. J'essaie d'appeler Pac, mais j'ai pas de réponse. Une confrontation un peu trop tendue avec le cartel qui a obligé Pac à jarter? Je vois aucune trace d'un quelconque combat ici. Je vais appeler Bowman. Elle a peut-être des infos sur Pac. Bowman, on a un sale problème. On avait rendez-vous avec Pac et un type... Pac Katari est ici avec moi à Pukhara. Bowman ? Bowman ! Ils nous font quoi là, putain ? Aucune idée, mais on doit rejoindre les... Vite ! J'ai jamais cru que je dirais ça un jour d'un officier de la CIA. Mais s'il touche à un seul de ses cheveux, je crame tout le pays. Sur ce coup, je suis d'accord. Bowman a dit que Pac était avec elle. Et puis on a été coupé. C'est peut-être seulement la ligne qui a merdé ? Ou bien Pac nous double. Weaver, trouve-moi le dernier emplacement de Bowman à Pukhara. Ça marche. Du coup, si je fais ça... Je peux venir, parce que je sens que ça va puer le roussi. Elle souhaite. Je m'en fous de lui. T'en fous de qui, là? T'es tapé? T'es où, en fait? Je te vois pas sur la carte. Ah si, le petit bordel fou, il est là. Ah mais je suis en moto là, donc faudrait qu'il trouve une voiture. Rien à foutre, tu connais pas, je m'en fais le flash. C'est un peu chelou quand même, hein. Alors c'est mi-désert et après c'est tout de suite la neige quoi. Alors à vrai dire, c'est pas vraiment de la neige, car si tu prends en compte que... Je t'encule toi. Eh mais va prendre ta voiture là, que c'est cool. Bah va là-bas comme ça je peux t'épuiser sur toi. Quelle grosse pute, c'est possible. Bah écoute hein. Voilà, de base je voulais aller être tranquille dans le jeu. Et pas rusher directement le boss. Bah... J'explore un peu petit à petit. Bah va jouer dans ton coin. Bah, parce que c'est amusant. Je suis bien là. Ça, je te remets même un cadavre. De toute façon, t'as déjà fait le boss? Non. Ah. Alors, comment tu sais la fin de Ghost Recon? Ah. Et tu casses la tête, toi aussi, là. T'as posé des questions. J'avais ramené une voiture avec la grosse mitraille dessus là. Il nous a vendu. Ah. On était là pour faire diversion. Alors. Diversion pourquoi? Soignons. Les rebelles ont réussi à le localiser. Entrez dans le mausolée. On se retrouve. Nomade. Tu comprends bien ce que tu veux dire. C'est que là aussi. Dorénavant. Et les c'est une qualité de mettre des bidons de fuel pas loin de la route aussi. Là. T'es parti. Ah non, mais c'est vrai que du coup t'as pas vu la cinématique, c'est bon. Tu loupes toutes les cinématiques. J'ai un peu la flamme là. Hop alors. Bon, pour faire court, les rebelles sont plus avec nous. Contact. Ah. Ennemis rebelles. Bah oui, ça. Oui, bah oui, ils sont tous en bas, tu vois. Cible abattue. Bande de petits coups de bas.
Ça là, ça que des merdes. Je voudrais bien monter, merci. Ah. Non, c'est bon. Tu sais qu'on va faire un remake de Fast and Furious. Hop. Fast and Furious. Hola, camarada. Pac, tu nous expliques ce que tu fous là? Hola, camarada. Oh, j'adore son accent. Ah mais c'est toute la balle, le bordel fou. Vas-y, on va aller prier à la Mecque. Mais qu'est-ce que... J'étais dans le sol, frérot. Que les rebelles ne sont pas les esclaves des Américains. Que nous sommes forts par nous-mêmes. Enfin, tu commences à faire chicha, là. Amaru, j'aime pas ça. Parce qu'il était pas assez fort. Amaru était un idéaliste de génie. Mais les idéaux ne nourrissent pas. Ah, mais ça, il y a en plus les méchants en plus, du coup. Ils ne lèvent pas une armée. Oui. Ils ne renversent pas un gouvernement corrompu. Conduire ton peuple à l'abattoir non plus. Mes hommes savent que s'ils meurent aujourd'hui, ils reviendront par dizaines de milliers demain. Va leur dire ça quand ils pisseront le sang. Si j'ai appris à accepter une chose ici-bas, c'est la souffrance. Quoi ? D'accord. On va l'apprendre à ses dépens. C'est pas que j'aime pas manger le béton, mais bon. Vous ne voulez pas finir de la même façon. Devant. Je vous conseille de quitter la Bolivie. Il y avait déjà le bordel fou d'escalier. Merci pour votre aide. Enfin, d'escalier. Pourquoi j'ai escalier ? Adios, camarade. Merde. Le côté là. Ah bah tiens, regarde. Attends, on parle juste à côté d'un vrai truc. Ah bah oui, mais du coup t'es mort. Non mais là y'a trop de monde pour que je t'arrête. Putain. En vrai, le problème de ce putain de véhicule, c'est qu'il se retourne pour rien. J'ai remarqué ça. Force de manger le béton, il y est pris goût. Mec, j'ai deux hélicoptères, une voiture à mon cul. Il y a des tanks. Mec, il y a Unidad, il y a tout le monde. Bah, toute la bande, quoi. Ah mais du coup faut pas que je t'entende, je t'attende pour faire le truc. Je sais pas moi. Je suis en train de te rattraper là, avec une voiture. Oh non! Là je suis retombé en bas. Attendez. Oh putain.
Ces mausolées font limite pitié par rapport... Stop. Encore un hélicoptère. Oh putain. Ces mausolées font limite pitié par rapport aux autres. C'est le cartel qui les construit pour ces bouchonnes. Bah vous savez quoi, j'assume. Moi aussi je veux un truc comme ça à ma mort. Tu te prends pour un évicile? Je connais personne chez nous d'assez taré pour avoir envie d'un truc pareil. Ne se bougez pas. Mais non, mais... Putain de merde! Ah, c'est une mission là-dedans. Je vais crever. Putain. Non mais là on est obligé d'avoir un hélicoptère limite. C'est pas possible hein. C'est pas possible à pied. Ils sont tous limite avec des batteuses quoi. C'est pas possible. Puis quand on est parti. Comment il a réussi à rentrer là, lui? Bah, je sais pas, j'avance, hein. Comment t'as réussi à rentrer en voiture? Il y a un truc? Bah, j'ai avancé. Une voiture, ça roule, hein. Je voulais que tu m'attendes, du coup, avant de rentrer. 17. Bah, je vais me mettre déjà à l'abri, déjà de base. De 1. Me dis pas que tu vas mourir tout de suite. Non! Sale pute! J'étais presque. Non! J'étais en train d'appuyer! J'ai fou le bug dans la voiture que j'avais. Non! Oh mais non, mais c'est pas possible. Fou de connard. Ouais, passe, passe, m'en bats les couilles. J'ai déjà vu. Il y a humeur. Ouh ça, c'est pas mal ça aussi, ça va aller vite. Je conduis. Ah merde. Contact. Ah, c'est cette voiture que j'ai pris tout à l'heure là. Ce que j'avais là, je l'avais bloqué dans une montagne. Ouf. Pas loin. Putain, plus de traces. Hola, camarada. Pac, tu nous expliques ce que tu fous là? Je vais faire le nécessaire pour mon pays, comme toi. El Sueño doit mourir en terre bolivienne. Il faut faire savoir au peuple, au gouvernement, aux autres cartels, que les rebelles ne sont pas les esclaves des Américains. Que nous sommes forts par nous-mêmes. C'est pour ça que t'as tué Amaru, parce qu'il était pas assez fort. Amaru était un idéaliste de génie. Ouf. Mais les idéaux ne nourrissent pas un peuple. Ils ne lèvent pas une armée. Ils ne renversent pas un gouvernement corrompu. Conduire ton peuple à l'abattoir non plus. Mes hommes savent que s'ils meurent aujourd'hui,
la voix de du personnage principal en féminine en VF, elle est tellement... En fait, ça va pas vraiment avec le personnage parce qu'elle est trop gentille comment elle parle. Elle a trop d'empathie en vrai. Bon, bah, sur Grèce, mon cas, t'as presque 4 RS. Ah ouais? Merci pour votre aide. Adios, camarada. Merde. Hello! Adios, camarada. Ah, moi aussi je l'ai. Adios, camarade. Oh, je l'aimais bien, lui. Eh ben, c'est un gros fils de pute. Tu sais qu'on va faire un truc? Si la voiture veut bien. T'es sûr que ça marche? Oui, ça marche. Regarde. Elle est assez puissante, elle a assez de chevaux comme ça. Putain de merde! Mais quelle pute! Faut qu'elle se retourne. Ah là, parce qu'en fait, t'as un truc qui bloque à l'entrée. C'est un kangourou la bagnole quoi. Ta mère! Et t'as fait comment tout à l'heure là en fait ici? Oh j'ai réussi! Oh! Oh! Ah mais du coup t'es mort toi. Oh putain de merde. Bah va te cacher. Non. Bah là non. Bon bah on a trouvé la technique mais... Faut pas mourir bêtement quoi. Bon en espérant qu'on a toujours la même bagnole. Ils nous ont pas mis de la merde. Imagine le jeu, il arrive à scanner. Comment tu joues? Vous voulez jouer à ça? Et là, il nous met une vieille moto, un vieux truc à la con, là. Fils de pute. Arrête ma barbe, là. Nique sa mère. Ma mère, anglais. Pourtant, sous mon masque, il fait 30 degrés, quoi. Pas mettre air cooling dans le truc. Ah ouais mais attends moi j'ai le truc encore là. Je vais vite passer la cinématique, j'ai la flemme hein. Thomas. J'avais une fois. Pakatari, c'est un gros fils de pute. Contact. T'es sûr que toi de voir conduire? Ennemis rebelles. Ben oui t'inquiète. Tu vois j'ai fait comment tout à l'heure. Bah taper dans les murs déjà. Ça, c'est un détail. Franchement, s'arrêter sur un détail, ça se fait pas. C'est du racisme, monsieur. Vous avez pas pu nous mettre deux comme ça en vrai? Fais chier. Oh, petit, ce que j'ai fait. Bah, moi, tu passes par les rails, gros. Passe par les rails, gros. Ça relie directement là-bas. Ah bon? Bah, oui, mec. Tout à l'heure qu'on est monté, c'était passé par les... on passait pas les rails. J'ai pas fait gaffe. Pourquoi se casser les pieds? Aller sur l'ennemi, qu'on peut le contourner. Mais deux fois, ça va là-bas à droite, après ça repasse à gauche. Et il nous dit échec. Vous êtes détapé, vous êtes enfui. Ils avaient tout prévu. Oh, ils avaient prévu ces fils de pute. Les bâtards. Ah, mais passe pas la rail gros, passe pas. Bah tu vois je sais quoi là. Ah ils avaient prévu ces enculés hein. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ça? La barrière. Bah oui c'est la barrière. Je sais pas, je vais le shooter vite fait pour voir ce que c'était. En plus c'est super bien, cette voiture va super vite.
Et là, ils comprennent rien, ils sont en mode. Hein? Ça fait quand même 10 minutes qu'on les attend là. Mais si, ils vont arriver. Hein? Ouais, non, mais. Qu'est-ce que? T'as vu le fourgon qui a essayé de. Ah là, à droite, direct maintenant. Pas. Monte par la montagne. Shonen! Dis pas de ma fou. Voilà, quand même un peu du mal, hein, mais. C'est quand elle veut la voiture. Ah ouais, non, mais. C'est quand elles sont, quoi. C'est... Ah, on est monté par le même endroit que tout à l'heure, tu vois. Ouais, sauf que là, il faut monter directement que la voiture glitche entre les barrières. T'inquiète, ça c'est bestiaux fou là, ça va aller partout. Ah! Ah! Pourquoi elle avance plus? Parce qu'elle est cassée! Ah bon? Bah oui, trop de balles, elle a pris en feu! Ah d'accord, t'es mort. J'ai une idée. Position tortue. Oh putain, je recharge plus normalement, il y a l'hélicoptère. Ah ! Non ! Mais depuis tout à l'heure, il y en a aucun qui arrive à grimper ! Et là, faut qu'il y ait que deux connards qui arrivent à grimper, quoi ! Putain ! Logique de ce jeu ! Oh non, il y a une barrière invisible ! Je peux pas y aller. Ah bah tiens, il n'y a plus de barrière ! Fils de pute ! Bon. Bowman. Allez. Contact. Ennemi rebelle. Casser les couilles. Elle est où déjà le. Ah, c'est en bas. Et te retourne pas, sale connasse. Petit Batman fou. Mais ils nous ont même pas capté, c'est con. Bon, pour l'instant, le film passe bien. On met en avance comparé à tout à l'heure. Et c'est là qu'on croise un vétrin. You are my bitch.
pour la stresser. Sont con. Ok. Accroche-toi, bébé. Voilà. Ça rentre. Ok. Ouvrir. Quoi? Ah oui, vas-y, tu rentres encore. Mettez putain de main en évidence tout de suite! J'aimerais bien. Mais malheureusement, j'ai les mains prises pour le moment. Où il est? Je veux voir le grand méchant. Pose-moi ça! Entendu. Maintenant, il y a un petit beau gosse. Seigneur le gars. T'as 5 secondes. Il est mort comme une mère. La tête avant que je te colle une balle entre les yeux. Je crois que vous auriez tout intérêt à décrocher, agent Bowman. Allô? Chef? Oui. Oui, mais je comprends pas. Chef, non, c'est pas possible. Je suis en train de vous dire que... Écoutez, je vous demande juste de... Chef. Oui, j'ai compris. Fils de pute, putain de merde! Bowman! L'enfoiré! Merde! Bowman, qu'est-ce qu'il y a? Bowman! El Sueño est intouchable. Il a passé un marché et... Un marché avec qui? Avec qui, à ton avis? Le procureur! Attends, tu veux dire que... Il doit nous livrer 4 chefs de cartel. Et 3 groupes terroristes qui vendent de la cam. Tous ses concurrents. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que je disais? Quand on a le pouvoir, tout le reste coule de source. Sur ce, je vais vous laisser. C'est et je suis inéluctable. Alors qu'hier encore, vous étiez mon adversaire. Aujourd'hui, vous n'êtes guère plus que mon chauffeur. Conduisez-moi à vos supérieurs. Je suis désolé. Bon, maintenant oh. Et ben voilà. Le rêve est mort. Si vous visionnez ceci, c'est que j'ai exécuté El Sueño. Les gens vont sans doute croire que j'ai pété les plombs, que je me suis laissé emporter par l'émotion. Je les emmerde, les gens. Je savais exactement ce que je faisais. Ce petit fumier, ce monstre, a torturé et tué mon ami. Décapité mon associé. Fait des milliers de morts. Lui intouchable? Oui mais non. Pas si j'ai mon mot à dire. Vu ce qu'El Sueño savait sur Ricky Sandoval, plus rien n'aurait pu l'arrêter. Petit quiz. Qu'obtient-on en offrant l'immunité à un baron de la drogue? Un point pour ceux qui ont dit « dictateur ». Éliminer un baron de la drogue, c'est une chose. Éliminer un dictateur, là, 4 agents ne suffisent pas. Ma carrière, ma liberté, ma vie ne valent pas plus que la population sud-américaine. Apparemment, tout le monde n'est pas de cet avis. C'est pour cette raison, sans doute, que je suis dans un institut correctionnel fédéral qui me servira mes 3 repas par jour pendant ce qu'il me reste à vivre. À l'heure qu'il est, la CIA a dû publier un communiqué officiel indiquant que l'agent en question qui n'est plus employé par nos services contrevenait à un ordre direct de ses supérieurs. Ces actes ont porté gravement atteinte à nos efforts permanents
en matière de renseignements intérieurs comme extérieurs. Et vous savez quoi? Ils ont raison. À leur place, j'aurais fait la même chose. C'est sans rancune. Mais j'espère qu'ils ne quitteront pas la Bolivie. Sans Pak Katari, les rebelles vont s'auto-détruire à coups de lutte de pouvoir. L'Unidad va s'entendre avec la prochaine organisation criminelle. Et les restes de la Santa Blanca vont scinder en multiples mini-cartels avec des noms à la con du genre Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia et Los Hiros de El Sueño. Tout le monde va continuer à s'entretuer pour la coca. À votre avis, si Dieu avait su les destructions qu'entraînerait cette petite feuille, est-ce qu'il l'aurait quand même créée? Ou alors, c'est exactement ce qu'il a fait? Je ne sais plus trop. Mais c'est plus à moi de répondre à cette question. Je vous laisse donc avec ça. Les dernières paroles d'Auguste, fondateur et premier régent de l'Empire romain. N'ai-je pas bien joué mon rôle? Applaudissez, la pièce est finie. Bowman terminé. Eh ben putain. Ok. Ouais. Bon. La merde. Ouais. Ça déconne quoi. Ah oh. Et y'a encore les méchants. Y'a encore les méchants. Changer de place. Dans le vide. J'ai sauté dans le vide. El Sueño. De quoi? Silencio. Mais tu sais qu'il y a plusieurs fins, il me semble. Il y a une fin où elle le tue. Et il y a une fin où elle le laisse tranquille, mais du coup, c'est toi qui interviens et tu la blesses pour pas qu'elle le tue. Oui. Mais faut voilà, okay. 100%. Donc tu veux dire que là je termine à 100% et on aura une nouvelle fin? Oui. Eh ben putain. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'en bat les pieds en fait? Quoi? Hein? T'as dit quoi? Attends, je vais tester. Je comprends. Attends, y'a combien de balles? Y'a 30 balles en plus dans le pompe. Oh. Alors là, oh, gars... t'as le. L'arme. Le fusil d'assaut Division. C'est Division. Ouais, elle va. LVOA, c'est Division. Ah ouais, bah c'est ce que j'utilise depuis pas mal de temps déjà. Ouais. Il fait le taf. Mais le problème, c'est que. Tu peux l'améliorer. Plus tu fais des zones hard, plus l'arme. Enfin, est toujours bien, mais bon. Genre là, sur des niveaux 5, quoi, tu gaspilles le chargeur sur un ennemi, quoi. Mais les balles, elles partent trop vite. Hein. Daniel tire 5. Oh putain, c'est vrai ça. Je suis niveau combien? 20. Oh, mais il a abusé ce fusil. Oh, mais il a abusé. Celui-là dessus, il a abusé. Hein. Bah, il est trop bien. Ça, c'est un pompe automatique. Ça, c'est un pompe, ça. Oh, c'est ma bite. Ah. Peut-être pas non plus.
J'ai tué un lama. Batashimo! Extermination de lama! Ah, prends les balles de silencieux, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Ah oui, bah ça... Déjà, juste la taille du chargeur, là... Retirer son silencieux. Écoute le bruit de mon sniper. T'as quoi comme sniper? Ah ouais, le gros chib, là. J'ai celui-là, là. Il est en or. Il est joli. Ah mais le gros chib il fait mal. Quand je suis dans une voiture ça explose. Bah, il y a un sniper là-bas. Il y a des informations récupérées là. Rien de concret, mais j'ai trouvé l'ex-garde du corps de Perico, Arturo Ruiz. Maintenant, il bosse pour le cartel à Pilca, une sorte de mine. J'ai cru comprendre qu'il y avait une embrouille entre les deux, du coup, il va peut-être balancer le DJ. DJ Perico. Déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer les marchandises. J'avoue.